Je ne vais pas accepter ça. Voilà. On va, il y a quelqu'un qui appelle. On va voir ça. Maintenant. Allô? Power Attendez, hein? connected. Regardez. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, c'est bon, on vous écoute. Par contre, il faut baisser la radio. Je dis la radio même. C'est quoi? Le téléphone derrière là-bas, Yanimba. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Ça va, monsieur. Oui, d'accord. Ah, ouais. Khali wa yoroma. Khali japonais en arabe. Khali même. Voilà. Donc, concernant mon WF dans ma couleur. Mon WF, non. Renan, 1985, puis on a fait un acquis. Tu vas comprendre. Donc, moi, mon WF, non, sujet dans ma quoi. Ouais. Voilà. Donc, Non, vous m'avez fait go. Il a un téléphone la diminué. Ande ba rouya quoi. La main ande ba rouya. Donc, moi, ma professionnelle, il va falloir me dire quoi. Il va dire quoi. Il va la comprendre. La Guinée, on dit une brasse de famille qui est là. À comprendre. Papa, il a. On a un peu de qui. On a un peu de mannequin qui est là. On a un peu de qui est là. On a Nous nous mettons dans un thème, nous courons, lui c'est un forestier, Jean-Jacques Belémou. Attends, Naki. Tu comprends, oui. Fanira. Donc, on va rapport à l'année, on va rapport à l'année, on vient à mort. Donc, une berceau, c'est vraiment normal. Tu comprends, oui. Fanira. Mais, dis vous regardez, le gars de Roma, Facebook, on a écrit, en 1985, c'est pas là. C'est un bar caméra, mais rien par sur une caméra. Et dans tous les mains, on a fait requérement. Et dans des guérements, la Guinée. Ah, et dans des guérements, et dans des remontées, la Guinée, une remontée, un guérement, la Guinée. Chaussée d'or, mannequin d'or, ce serait, poulet d'or, ce serait, chaussée d'or, mannequin, tout le quart d'or, pour eux, et dans des guérements, même. Mais, problème, Alpha Condena, quoi. Du problème, Brina, qui a goûté, Alpha Condena. Ayatira ramanike dumira ne mira sota men rega community kunduma alfa konda muema amune tenisa wiri ya basa ta hando ure na kwa na wona fena kambi kwikito e sosie ma farama e manike ma farama sibe ni farama da gine menni pase ma farama to in the game you climato da gine ke ko tera balance sosie kwi sosie na gine na gine kwa fera bi kimiri na la kwi. Mais, elle doit faire, pour nous sur son rang, elle doit être affiliée sur son rang. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mon débat? Non mais la vérité, pas de mon débat, hein? Nous t'en avons manqué, c'est-à-dire, la Guinée peut avoir un Gwende, alo fule gama chima. Male alo soje gina nama chima. Tomati, anjika fi fi asa nebi lima eva kwa bangwe. Eta na bende, isa isa na mila jine ina do. Eta na bende, eta na, nde isa nde kere wa nani. Awaro ho. Ah, non, mais c'est pas la peine quoi. Et là, on va dire, ça ne va pas dire, et là, lui,
Donc voilà, vous avez entendu le coup de gueule de notre frère. Il est très fâché, il est très remonté. Donc, il dit que tous ceux qui ont leurs grands-parents qui sont nés en Guinée, c'est des Guinéens, toutes les ethnies, nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux. Mais bon, je tiens à lui rappeler qu'Alpha Condé, son grand-père n'est pas né en Guinée, c'est lui qui est né en Guinée. Il est de la première génération de leur lignée en Guinée. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'est pas guinéen dans cette histoire, c'est bien lui. Voilà. Donc, c'est ça. On va essayer d'appeler. Il y a quelqu'un qui a appelé tout à l'heure. Il y a deux appels en absence. Il y a un numéro ivoirien que je ne peux pas appeler, mais il y a un numéro français que je vais appeler. Inch'Allah. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, le numéro 06. Bon, ok. Allez-y, vous avez appelé tout à l'heure. Bonsoir. Oh, bonsoir, ma grande sœur. Comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Vous avez appelé. Ok, merci beaucoup pour le combat et pour ce que vous faites pour la Guinée. Mm-hmm. Dieu merci. Voilà, donc, moi je pense aujourd'hui, mm-hmm. on n'est pas à un niveau de vengeance. Le monde évolue. Mm-hmm. La Guinée, depuis qu'elle a été Guinée, mm-hmm.
c'est un peu déplorable pour notre pays, il n'y a pas eu un état sérieux. Le cas de 85, n'est plus possible aujourd'hui de parler de 85 ou de 58 pendant ces coups. Il y a eu beaucoup de victimes dans ce pays. À un moment donné, on doit se pardonner et fermer cette page. Aujourd'hui, la Guinée a besoin d'un président sérieux. On a besoin d'un président. On n'attend pas aujourd'hui d'un président guinéen le développement économique. On a juste besoin aujourd'hui, actuellement en Guinée, d'un président qui pourra réconcilier les Guinéens pour aujourd'hui pousser les Guinéens à se regarder en frère. Parce que si avant, la Guinée, il y avait un fossé entre les communautés, maintenant on a un fleuve. Les Guinéens sont tellement divisés. Donc on a besoin d'un chef d'État qui va venir aujourd'hui unir ce peuple-là. La deuxième des choses, un président qui va aujourd'hui nous donner une justice forte, parce que la justice, elle ne fonctionne plus. Si on a un président qui va faire ces deux choses pour la Guinée, on ne l'oubliera jamais. Après ça, on va parler du développement. Mais comment voulez-vous parler? On peut pas actuellement parler du développement dans un pays où les Guinéens ne se reconnaissent pas en frères. La nation n'existe pas, le pays même n'existe pas. Parce qu'on parle aujourd'hui d'autres pays qui sont plus guinéens que l'autre. La Guinée, là, c'est pas un Guinéen qui l'a créé. Les Blancs sont venus, ils se sont imposés. Il y avait plusieurs États. Le Fouta, il y avait le Fouta par le Mané, la Bascotte, le Royaume, l'Empire Soso. Et ils nous ont imposé la Guinée. On a accepté. Personne n'est supérieur à l'autre. Parce que c'est pas nous qui avons créé la Guinée. Le truc de 85 dont on parle, il faut un peu rappeler. Oui, il y a eu des problèmes. Mais qu'est-ce qui a poussé les problèmes? Oui, parce que 85, des militaires se sont assis pour dire on va donner le pouvoir à Conté. C'est le plus honnête, c'est le plus sérieux, c'est l'homme calme du régime. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Parce que beaucoup pensaient que Sékou n'était pas mort. C'était juste de dire que c'est lui, que si Sékou revenait, qu'on arrête Conté. Mais bon, on le confie le pouvoir après un voyage, on dit non, non, il faut l'enlever. Certains disent non, il ne faut pas l'enlever. Si vous avez vu, c'est pourquoi cette haine de Damaro contre les Peuls surtout, c'est parce que c'était des officiers Peuls qui avaient dit non à l'époque. Mais tout ça, ce n'est pas important. Moi, je pense, le monde évolue, il faut que nous, Guinéens, nous ouvrons le jeu, qu'on s'accepte. Aujourd'hui, on refuse de s'accepter. On est tous liés. Quand tu vois un Guinéen qui n'est pas lié à toutes les autres communautés, il vient d'une petite famille. Tu as un lien, un côté malinqué, un côté soussou, un côté forestier. On a tous fait l'école. Donc, je pense qu'il est important que, surtout, moi, je vais m'adresser aux responsables, aux chefs de la Haute-Guinée. Vous savez, depuis l'arrivée d'Alpha au pouvoir, il y a et beaucoup de choses, surtout le truc créé par le RPG, toujours le 3 contre 1. Il faut qu'ils se mettent à la table, qu'ils se parlent à ces enfants, la blogueur, qu'ils arrêtent. Ou le 3 contre 1 qu'ils ont toujours voulu en Guinée, ça va se faire autrement, parce que tout se paye sur terre. Alors? Voilà, tout se paye ici. Le 3 contre 1 qu'ils ont cherché toujours, ça va se faire en Guinée s'ils font pas attention, mais autrement. Et ça va le coûter très cher parce que du jour en jour, il y a beaucoup de frustrés, il y a souvent des problèmes. Que vraiment Dieu nous aide, que les mauvaises personnes, Dieu les enlève parmi nous parce qu'on n'en a pas besoin dans notre pays. On a besoin, Dieu nous a donné un grand pays, un bon pays. C'est le don de la nature, il faut qu'on en profite. Vraiment, c'est ce que je pouvais rajouter et vous remercier. Et demander à tout le monde de pardonner. Nous, depuis Alpha est venu, moi j'ai perdu des proches, des jeunes frères qui sont au niveau de l'axe, qui n'ont rien fait, des enfants qui étaient à la maison. Donc, mais bon, c'est les règles de la vie, on accepte, on pardonne. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci à vous aussi. Merci. Voilà, donc nous voyons, c'est... Il y a des gens qui appellent quand on est en ligne. Voilà. Allô?
Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Bon, merci, ma soeur. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah, Dieu merci. Merci pour tout ce que vous faites. Dieu merci. Merci pour le temps. Merci pour les explications. Merci de l'amour que tu as pour notre pays. C'est parce que Dieu Et m'aime. voilà, je suivais avant-hier, là, je crois qu'il y a une séquence dans les réseaux sociaux où un journaliste de Film FM dans Mirador, là, qui se disait que vraiment, il n'y a plus de moralité dans ce pays, il n'y a plus d'hommes valables dans ce pays. Et là, il parlait de Bano, du ministre de là, de l'Europe. Je suis Altieri Diallo, je réside ici à Chicago, membre de la direction nationale de l'UFDG, ancien secrétaire fédéral ici, membre du mouvement de soutien de Sidou Voilà. C'était de l'UNR. On tapait à pied, on assistait aux réunions. Hein? Donc, on voulait tellement que la Guinée change depuis l'arrivée de Bah Mamadou, qui nous a montré que voilà ceux qui gèrent là, c'est pas leur bien, c'est un bien commun à l'ensemble du peuple de Guinée. Il nous a ouvert les yeux, il nous a permis de scanner, de chanter, de voir ce qui se passe du côté de ces couturiers. Lui, il est parti. Oui. Mais quand il est parti, il a agi là. Nous, nous avons librement regardé, étant de jeu, après l'UNR, l'UP est venu. La sommation, la réunification entre l'UFDG, c'est-à-dire l'UNR et le PRD. Parce que les gens souffraient avant de l'unité. Vous savez que le RPG avait toujours refusé. Bon, Oui. je ne vais pas rentrer dans l'historique parce que ça ne nous permet pas de tout dire ici. Mais Oui. le RPG a toujours cavalié. Si ce n'est pas le Alpha Condé au top, il ne veut pas s'en mêler parce qu'il a toujours voulu la paix. Mais nous, nous avons dit, OK, l'UNR, l'UPR, l'UNR, CRP. Donc, ça a donné un grand parti qui est devenu l'UPR, majoritaire l'UPR. On a vu ce qui se passe, la vie politique, on a dit un Senoudal qui est expérimenté. Il n'a jamais appartenu à un parti politique. On a regardé sa gestion. Il est charismatique parce qu'au pouvoir aussi, on ne met pas n'importe qui aussi. Donc, nous, nous avons dit, je ne suis pas de l'abbé. Pas du tout, moi, je suis né à Conakry, grandi là. J'ai dit, ce monsieur-là, c'est un technocrate. Regardons ce qu'il a fait. On a commencé les gens de dire, non, 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 lui, il ne l'aimait pas du tout parce qu'il n'a pas tout volé pour envoyer à Darren. Il n'a pas tout volé pour amener à l'abbé. Ce qu'il a pu faire, c'est du côté de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Oui, Moi, j'ai dit, voilà, non, il faut le soutenir. Au sein du mouvement de soutien de ces loups, nous avons mené la campagne. Difficilement, mais les Guinéens nous ont compris. Et il est apparu un grand homme. Oui. Et il est devenu président du FDG. Depuis, nous sommes là. Donc, je vais vous dire aujourd'hui, ceux qui parlent ethnie, là, mais ils ont le pouvoir depuis 1958. Mais Allô? où est la Guinée? Ils n'ont pas changé la Guinée Allô? avec n'importe personne. Ouais. Ceux qui ont géré pendant les 26 ans. L'ancien Conté avait quand il est venu, c'était tous les 12 premiers ministres là. La majorité sont tous malinqués. Ouais. Originaire de la Haute-Guinée. Ouais. Les vrais amis de l'ancien Conté sont malinqués. Mais où est la Guinée? Le premier ministre, Lamine Sidibé, de la Haute-Guinée, les malinqués, c'est le seul qui a fait 4 ans en tant que premier ministre. L'ancien Kouyaté, les jeunes là sont morts. Il est venu. Qu'est-ce qu'il a montré? Tous les préfets, sous-préfets, les amis malinqués. Tous les ambassadeurs malinqués. Mais où est le pays? On veut dire que, bon, c'est-à-dire quand on parle de rassemblement, on ne peut pas trouver seulement les compétences d'une seule ethnie ou d'une seule région. Oui. Il faut mélanger pour montrer la Guinée. Ça, c'est être bien. Oui. Donc, moi, je vais vous dire aujourd'hui, et la Guinée est mère partie, parce que l'ancien à côté, là, qu'on a aidé. Aujourd'hui, certains classiques, je pense, partout en 85, on parle des bourreaux, des gens qui ont assassiné, qui ont humilié, qui ont fermé ce pays pendant 24 ans. On veut le faire aujourd'hui des zéros. Moi, je connais l'ancien à côté de ne pas
juger avec leur sort. Nous savons, parce qu'il faut toujours il faut la justice pour comprendre. Nous n'avons jamais connu cela. Oui. Et là, ça n'a compté là. Oui. On a aidé à gérer la Guinée, parce que le RPG n'a jamais aidé là, ça n'a compté. Jamais. Donc, comme tu le disais, jamais. Voilà, c'est lui qui a empêché Alpha Condé d'accéder au pouvoir de lui. Parce qu'on a la haine contre l'ethnie belge. C'est-à-dire que c'est nous qui avons aidé l'Ansara Conté à gérer. C'est pourquoi on nous abat comme des animaux. Oui. Aujourd'hui, même l'Ansara Conté à la fin, qu'est-ce qu'il a voulu? Ceux qui l'ont aidé à gérer, à se maintenir, il n'a pas fait bien parce qu'il sait qu'il a vieilli, il est malade. Il n'a pas fait en sorte que ce pouvoir revienne dans des mains propres, dans des gens sérieux qui aiment la pays, la Guinée. Il a voulu procurer son fils. Tous les généreux amis à lui l'ont dit, alors, nous avons plaidé allégeance à toi, mais pas à ton fils. Qu'est-ce qu'il a fait, les artistes à lever là? Il a monté les enfants de son fils autour, alors que ces gens-là, les derniers, les Conakry étaient plus bandits que son fils. Oui. Ces gens-là ont commencé à éliminer tous les généraux. Nous savons leur sort, ces généraux-là sont morts comme ça. Alors, le pays est devenu dans l'insécurité, dans l'imbo, dans le pouvoir dans la rue. Là, on sait qu'il était malade, il a dit, il ne comprenait rien. Oui, il comprenait tout rien. Tout ça, c'est des problèmes techniques et régionalistes. Oui. Donc, voilà où je suis le résultat. Alpha Condé vient. Viens, nous qui parlons là, nous avons mis, maman, je n'ai pas été du RPG, mais j'ai sympathie, j'ai marché pour lui, parce qu'il était, il se disait, opposant. 40 ans d'opposant, et grandi, né en France. Bon, pas né en France, mais il est allé en France à l'âge d'enfance. Oui. Donc, nous avons cru. Malgré les manigances, malgré le vol, malgré le non-respect des accords de Ouaga, on a dit si il a obtenu le pouvoir de façon calamiteuse, mais si il est démocrate, on va s'en sortir. Mm-hmm. On avait commencé à oublier, mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a commencé à prendre nos gens, à les tuer, à les exécuter. Aujourd'hui, plus pire, ma soeur. Wallahi. Aujourd'hui, regarde combien on a arrière. Regarde, il prend les enfants, il les emprisonne, les opposants, il les met en prison. Et aujourd'hui, tu dis que c'est du pur du c'est de la révolution qui vient, qui presse à les gens, qui dit que j'ai tort, j'ai commis du tort au président, à notre papa, à notre grand-père. Regarde la démagogie. Voilà. Et le RPG, c'est qui le font. Pardon, papa, je ne vais plus parler de la politique, je ne vais plus parler des affaires publiques, je ne vais plus parler de ceci et cela. Libère-moi, je vais me. C'est comme ça, tous les gens là ont fait. Est-ce que ça vient de leur cœur? Non, ça ne vient pas de leur cœur. On les oppose. Oui. Donc, Malick Issoukou, ce n'est pas facile d'avoir des Guinéens comme toi. Ou bien des Mandela comme Mandela. Vous comprenez? C'est pas une dictature. Une dictature sanguinaire. Des gens qui ne croient pas en Dieu. Et c'est pas facile d'être. On ne peut pas. On cherche aujourd'hui à sauver notre vie. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on ne peut pas tromper Dieu. Allô? On ne peut pas le tromper. Oui, allô? Oui, allez-y. Oui. Je dis, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on ne peut pas tromper Dieu. Non. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de l'ethnie stratégie. Du régionalisme, ça n'avance pas le pays. Ce n'est pas la solution. La solution aujourd'hui, c'est la démocratie, la justice pour tous. Oui. Quand le juge, le procureur, chacun doit travailler, doit faire leur rôle. Le président de la République, il est le président, c'est une institution qu'il fasse son travail. Le droit de décret lui appartient, mais ce n'est pas un pouvoir qui va dominer tous les Guinéens. Non, c'est son droit de faire les décrets, de nommer les procureurs et les présidents des tribunaux et les juges. Mais à leur tour, il ne doit pas plaider allégeance à toi pour rendre la justice. Oui. Non, ça ne sera pas normal. Donc nous disons, nous souffrons dans ce pays. Aujourd'hui, il faut tout régresser. Il faut casser les maisons. Il faut prendre les terres des gens. Il faut les appauvrir. Il faut garder leurs richesses pour qu'ils deviennent zéro. Oui. Pour que lui, il profite, pour que personne ne puisse parler quelque chose de la politique. Oui, c'est sa politique. Voilà la stratégie du régime, du RPG. C'est du régime, c'est purement sécuturé. C'est sécuturé. Mais il a
dit qu'il prend la Guinée là où c'est Couturé l'a laissé. Tout à fait. Maintenant, ici, quand je regarde là, les jeunes prisonniers, moi, je ne veux pas les en vouloir, franchement. Mm-hmm. Et, mais je sais, c'est pitoyable. Oui. Quand je vois des jeunes communicants comme le PIH, sur la dit à Marca, c'est comme un diable, il a dit, monsieur le président, pardonnez Ismaïla Condé, il n'a qu'à revenir à la maison, vous êtes bien, j'espère, regarde la démagogie, c'est même honteux. J'ai envie de vomir quand je vois ça. On veut, c'est-à-dire, comment faire, comment le culte de la personnalité des individus mortels, en tant qu'on est mortel, en tant qu'on n'est rien, si ce n'est qu'un être humain. Aujourd'hui, on veut le. Et c'est même, c'est, j'ai envie, wallahi, c'est pas ça. Je vais te dire, Marie-Cito. C'est pas vrai que la Guinée souffre. Mm-hmm. On est trop lâche. On est trop escroc. Oui. C'est-à-dire que quand moi, on me donne un peu d'argent, ou bien Alpha m'appelle, je suis à l'aise. J'oublie le reste. Oui. Subhanallah. Ah, subhanallah. Mais ça touche le thé comme ça. La Guinée est en ça. Ça touche le thé comme ça, de toute façon. Donc, pour moi, ton combat là, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, c'est le mot, c'est pitoyable. Mm-hmm. Quand la Guinée regrette, quand la Guinée. Aujourd'hui, on me dit que. Le président de l'Assemblée nationale, il fait bien. Certains le feront le FDG. Oui, il va faire bien parce que Kony Kondiano qui était là, il n'avait pas de force. C'est un qui tient sous les barres du FDG, des Kondiano qui sont autour de lui, qui ne peut rien faire. Oui. Mais c'est un menace sur le pouvoir. Mm-hmm. Ils ont tout. Donc ils peuvent maintenant. Tout est ethnique. Tout est ethnique. Donc ils peuvent se gérer et voir ce qui se passe et leur dire ceci, ça ne va pas ou ça ne va pas. Mm-hmm. Parce que tout leur revient. Ils ne partagent avec personne, Marie-Christophe. Oui. Donc, pour moi, c'est ridicule. C'est ridicule, on ne va pas revenir. Mais nos frères de la Bastos doivent faire beaucoup attention. Ils doivent faire beaucoup attention. Nos frères Soussou, là. Ah, mais les Soussou, là, ils ne font pas de ce qu'ils ont fait dans la Guinée, ramener la Guinée en arrière. Si on ne dit pas la vérité, c'est une bonne chose que je ne connais pas de ce que ça, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Nahayo Nufa et Benaré Bambo. Ils sont fiers, pour de n'avoir fait Couturé d'or. Être fier d'avoir fait asseoir ces Couturés, c'est de mal connaître. On ne peut pas être fier d'avoir fait élire ces Couturés ou d'avoir aidé ces Couturés. Quand on fait, là, il nous a amené. Être fier d'avoir élu Alpha Condé, c'est de la malédiction, c'est de ne pas comprendre l'enjeu. Mais oui, mais il même pas un an. L'argent là, le bien matériel, c'est de l'enfer, ça, c'est du Jahannam. C'est du Jahannam, Wallah, ils rendront compte. À n'importe laquelle, s'il faut tuer, s'il faut tromper, s'il faut voler pour survivre, pour avoir une voiture, avoir une maison, c'est l'argent, c'est du bien de l'enfer. On ne doit pas être, on ne peut pas se réjouir de cela aujourd'hui. Mais ils nous ont fait comprendre que la politique, c'est de la saleté. C'est qui ont menti et qui sont sales. Mm-hmm. Alors, moi aujourd'hui, et je suis pas content parce qu'il n'y a pas de justice dans mon pays. Je ne suis pas à l'aise parce que mes compagnons souffrent. Je ne suis pas à l'aise parce que mon parti aujourd'hui est persécuté. Je ne suis pas à l'aise parce que mon président est persécuté. Mm-hmm. Il est enfermé, il est emprisonné. Mm-hmm. Je ne suis pas content parce que tous les cas du parti aujourd'hui et des hommes ou bien tous ceux qui œuvrent à ce que la Guinée change, des personnes comme ça aujourd'hui, ne peuvent pas aller en Guinée, ne peuvent pas se mouvoir. Difficilement, tu parles la vérité. Je suis peiné. Mais je suis heureux d'une chose. Mm-hmm. Je ne vais jamais participer à partir d'un régime. Il faut faire de l'escroquerie pour être ministre. Il faut faire de l'escroquerie pour être ministre. Il faut faire de l'escroquerie. Il faut passer. Okay. Fédéral, ça fait 15 minutes, ça fait bientôt 15 minutes que vous êtes en train de parler. Donc, je vais devoir vous laisser. On va peut-être arrêter. Merci, ça veut dire que, terminer, c'est vraiment difficile, mais continuons, ça changera un jour. Merci bien. Inch'Allah, merci à vous aussi.
Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui veut appeler. Allô? Allô? Oui, je suis désolée, vous avez appelé plusieurs fois, mais quand vous appelez, il y a déjà quelqu'un en ligne, quoi. Oui, allô, 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 bonsoir. Ouais, bonsoir, bonsoir. Désolée, hein, vous avez appelé plusieurs fois, mais quand vous appelez, il y Oui, a déjà quelqu'un en ligne. en fait, je vous appelais plusieurs fois parce que je suis vraiment un Guinéen qui est... Allô? Oui, Allô? je vous entends, mais par contre, il faut éteindre, il faut baisser votre appareil là-bas. Ok, allô? Oui. Oui, Baissez. en fait, je disais qu'on vous a appelé parce que nous sommes des Guinéens aussi qui sont vraiment attachés à la démocratie, attachés à la bonne gouvernance, attachés au bien-être de la population. On vous écoute. Et quand je regarde votre live que vous faites, je vous assure que vous êtes plus suivi que Espace. Plus tu dis qu'elle est mirador, vous êtes plus que tous les journalistes escrocs qui passent la nuit à raqueter les ministres des présidents pour venir raconter des bobards durant la journée. Voilà. Parce que je pense que pour moi, en fait, un pays, c'est pas une maison, c'est pas un village, c'est pas une commune, on parle d'un pays là. Oui, c'est vrai, oui. Et aujourd'hui, je vous assure que si vous allez en Côte d'Ivoire, si vous allez au Sénégal, si vous allez au Nigeria, au Mali, au Burkina, si vous rencontrez des Guinéens qui vivent dans les conditions exécrables, misérables, en tant Wallahi, mon que frère. population, il n'y Wallahi. a pas de quoi être fier d'Alpha Condé. Parce qu'un Wallahi. président, il dit pas, normalement, un président n'a pas le droit de dire nous allons faire. Surtout après 10 ans de gouvernance. Il faut faire. Après 10 ans de gouvernance, un président n'a plus le droit de dire à quelqu'un que nous allons faire. Ce n'est pas possible. Oui. Et aujourd'hui, moi, en tant que citoyen, en tant que Guinéen, en tant que Guinéen, qui est énervé, et surtout quand j'entends à la télé, à chaque fois que les Guinéens prennent l'exemple des pays voisins, Ah. la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme le Ghana, et vous voulez être énervant, votre président vous ment en vous disant que vous serez plus développé que le Sénégal, que la Côte d'Ivoire, et que vous êtes là à prendre des exemples matin, midi, soir sur ces pays-là. Que ce Oui. soit les journalistes, que ce soit les géopolitiques, mais c'est là. Alors que nous, on vit à l'étranger, qui n'entendra jamais parler le nom de la Guinée dans ces pays-là. Oui, Ils s'en foutent de ça. oui. Je vous dis carrément, moi je suis en Côte d'Ivoire, mais qui n'entendra jamais à la télé, à la radio, dans l'espace public, sur l'autoroute, dans les journaux, dans les trucs qu'on a fait, tu n'entendras jamais quelqu'un parler de la Guinée. Quand tu parles de la Guinée, on dit, oh, c'est un pays de dictateurs. C'est Wallahi, fini, c'est tout, hein. wallahi, Mais pour que quelqu'un prenne l'exemple de la Guinée, ça n'est nulle part ailleurs. wallahi. Donc, si tous les Non, journalistes nous écoutent à ce moment, j'aimerais qu'ils arrêtent de nous ridiculiser, de nous emmerder avec leur, à chaque moment, à chaque minute, quand ils cassent leur radio de merde, ils sont en train de dire, non, il faut faire comme la Côte d'Ivoire, il faut faire comme le Sénégal, il faut faire comme l'autre. Mais vous êtes en train de vouloir vous développer. Comment vous pouvez toujours prendre exemple sur les pays voisins? Alors, vous pouvez vous rabaisser. Ça, c'était juste un passage. Mais concernant Alpha Condé, qu'il sache qu'il est président, mais c'est fini. Son temps est fini. Tu ne peux pas être président si tu es en désaccord avec la population. Ça, c'est Oui, fini. oui. Tout est servi galé qui pense qu'Alpha Condé est président, qu'il se trompe parce que Alpha Condé n'est pas un président. Un président, c'est lui qui est en accord avec la population. Oui. C'est ça qui te fait président. On est bien d'accord. Oui. Et je pense qu'il y a tellement des organisations aujourd'hui, il y a tellement des structures qui n'en fait plus d'Alpha Condé, qui dépassent même l'État guinéen. Donc je Oui. pense que ceux qui pensent qu'Alpha Condé est président, ils peuvent rêver. En 2010, quand il était vraiment président, on n'a jamais parlé de ça, tous les mois. Parce qu'on Oui. a eu à se discuter. Oui. En Ça, je l'ai. 2015, quand il a été président, personne n'a eu à discuter avec l'autre son ami, est-ce qu'il est président, s'il n'est pas président. Oui. Donc, les Guinéens savent qu'ils se tranquillisent. Si nous devons discuter aujourd'hui de ça, c'est parce qu'il n'est plus président, c'est tout. Que tout le monde se tranquillise, la fin est déjà là. Quand Inch'Allah. nous-mêmes, on se discute, est-ce qu'il est président, s'il n'est pas président, c'est parce qu'il n'est pas, sinon, normalement, là, s'il était vraiment président, on ne se discute pas. Est-ce Effectivement. que le Allô? Oui, je suis là. Est-ce que le Sénégalais fait discuter si Non, Macky Sall est président ou bien s'il n'est non, pas non. président? Non, non. Est-ce que les Ivoiriens fait discuter si Alassane est président ou bien il n'est pas président? Non, non, non. Non. Donc, je pense que les Guinéens, ils n'ont qu'à arrêter de se
Il nous a regardé de ces morphons. Je sais que la brave population, les soldats, tout le monde est prêt, tout le monde a repris à dormir parce que ça, c'est la mer. On ne peut pas être à l'étranger, quel que soit notre argent, quel que soit notre position, si nos familles vivent dans la misère, dans l'insécurité, c'est comme si on n'est pas à l'aise. Oui. Oui. Sinon, personnellement, moi, je parle, je n'ai pas autant de problèmes comme ceux qui sont en Guinée, je peux me faire. Mais oui. Si vous voyez que je fais partie des groupes qui sont prêts à aller enlever à condamner de son groupe parce qu'ils pensent qu'ils le font, c'est parce que je me dis que quelle que soit ma position à l'étranger, si ma famille n'est pas à l'aise, c'est que ça ne sert à rien. Oui, oui, effectivement. Et moi-même, je suis quelqu'un qui est frustré contre l'État guinéen parce que mon aventure de la traite à l'État guinéen, parce que après avoir fini mes études, je ne trouvais pas de boulot. Il n'y a pas de débouché. Il n'y a rien. Je viens de Sylvain Rassou aussi, Antonio Soare, parce que ça fleurit. Vous voyez ça? Et ce président qui vient nous dire qu'il va créer des champions locaux, des champions nationaux, et tous les champions locaux nationaux qui fleurissent les alloues de ça, il prend pour compenser lesquels il a pu vider lui seul pour faire son troisième mandat. Oui. Oui, c'est ça. Et quand vous regardez l'Assemblée, comment l'Assemblée nationale fait adopter une loi qui contribue à surfacturer sa population, sa propre population, pour dire on va augmenter les taxes téléphoniques, alors qu'on sait que les étrangers que nous sommes pour appeler en Guinée, il y a tous les mêmes problèmes. Ouais. La connexion est merdique, il ne peut pas appeler directement parce que le taux de facturation que la Guinée applique avec ses pays voisins par rapport à notre monnaie qui est bizarre. Ça fait chier. Les Guinéens vivent malheureusement. Oui, ils sont malheureux. On sait. Très malheureux. Vous voyez? Voilà. Nos ambassades en Côte d'Ivoire, depuis la Chine, ils ne foutent rien. Ils n'arrivent même pas à nous faire des papiers biométriques qui nous permettent d'être. Même, je vous dis carrément, un Guinéen ne peut pas passer une carte en Côte d'Ivoire parce que les agences téléphoniques refusent de prendre son papier. Ils disent que c'est des papiers toilettes. Le monde est passé à la biométrisation, mais on a un gouvernement de merde qui ne met pas le point. Oui! Malheureusement, il y a des gens qui sont contents de cela parce qu'il y a des gens qui ont des goûts de merde aussi, hein, faut comprendre. Il y a des gens qui n'ont pas de goût. Hein. Quand on n'a pas de goût, on n'a pas de goût. Il faut que la Guinée essaye d'aller du côté chic. Il faut qu'on essaie d'être chic. Dieu nous a créé chic parce qu'on a la beauté naturelle, on a la beauté du pays, on a tout ce qui est richesse. Tout ça, c'est le maquillage naturel que Dieu vous donne. Ça, c'est le côté chic que Dieu te donne. Maintenant, pour que tu sois chic dans la vraie vie, il faut être propre. Il faut bien utiliser tout ce que Dieu t'a donné. Voilà. Mais on n'a pas ce côté chic-là. C'est pourquoi on ne nous respecte pas. On ne se respecte pas nous-mêmes. Les autres ne peuvent pas nous respecter. Depuis que la Guinée est Guinée, c'est le même problème. Nos parents ont parlé de ça. Nous parlons de ça. Ceux qui étaient avant nos parents ont parlé de ça. Donc, c'est le même système qui continue. Parce qu'on a un problème. C'est mental. Je vous dis, quiconque a un problème ethnique, tu as une insuffisance mentale, qui que tu sois. Je vous ai dit, un blanc qui n'aime pas les noirs, un blanc qui ne m'aime pas moi parce qu'il a un problème avec moi, ça c'est normal. Mais un blanc qui n'aime pas les noirs, mentalement ça ne va pas dans sa tête. Un noir qui n'aime pas le blanc, mentalement ça ne va pas dans sa tête. Regardez, juste à aujourd'hui, on parle de têtes négrières. Juste à aujourd'hui, on parle de colonisation, juste à présent, nous les Africains. Mais quelle porte de sortie avons-nous trouvée? Qu'est-ce qu'on a fait pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de notre côté, notre responsabilité à nous? Vous pensez qu'on est innocent dedans? Je suis désolée de vous dire ça, on n'est pas innocent. On n'est pas innocent. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Il y a des gens qui vous parlent de 84, là où on est. Tandis que ce qui s'est passé en 84, la même chose est en train de se passer à peu près. Les gens ont été arrêtés devant leurs enfants. Et on arrête. Ça fait combien d'années qu'on arrête les gens? En Guinée, ça fait combien d'années qu'on tue les gens? Le massacre qui s'est passé au 28 septembre, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Et on connaît le rôle de Alpha Vida. Mais vous savez, moi, j'en veux à certaines personnes. Parce que quand tu ne sais pas ce que tu veux, c'est ce qui t'arrive. Moi, je ne suis pas avec Alpha. Je ne suis pas pour lui. Je ne suis pas pour Dalen non plus. Mais je sais que pour fatiguer Alpha, il faut être derrière Dalen. Je sais que Sélou Dalen Diallo est le cauchemar de Alpha Condé. Ça, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Tous les trucs des gens qui sont avec Alpha, c'est Dalen qui critique. Et quand toi, tu n'es pas avec Alpha,
C'est Dalen que tu vas critiquer. Tu n'es pas avec Alpha, tu vas être neutre entre Alpha et Dalen. Mais ça ne va pas dans ta tête alors. Mais Alpha ne peut pas te respecter. Parce que lui-même se rend compte, malgré sa folie, que toi, tu as une insuffisance mentale plus que lui. Il faut savoir se faire respecter. Il faut être strict, strict et ferme sur ses décisions. Il faut que les gens sachent que cette personne, yeta mouila mara, aïla ma fana hambene, on a obé tangi, meri mouda nye mamendera. Et puis l'indendera, il a mera limite de terre en okono. Kono Adam edina nou limite mara. Ah! Allô? Allô? Oui? Allô? Ah, c'est encore vous? C'est vous qui avez appelé tout à l'heure? Oui, il faut diminuer votre téléphone là-bas. Je vous donne, oui, je vous donne 2 minutes, hein. On va arrêter. Oui, je vous donne 2 minutes maintenant. Vous avez 2 minutes. Oui, oui. En fait, je voudrais appeler sur les populations guinéennes que notre ennemi, femme malinquée contre elle, appelle contre tous. Nos vrais ennemis, ce sont Sidi Touré, ce sont Ousmane Kaba. Ce sont nos ennemis. Parce que moi, je pense que quand la population a fond d'un changement, quand tout le monde a fond d'un changement, quand il y a une élection, comme ça me vient, il y a un vainqueur qui s'est déclaré, qui est là, que tout le monde reconnaît, la Zoukar, l'international, le national, tout le monde reconnaît. Mais vous, en tant qu'opposant, pourquoi vous n'allez pas vous joindre à ce changement? Oui, oui, normalement. Vous exigez le changement, même si vous ne l'avez pas à tête, mais vous vous-même, vous êtes pour le changement, vous n'êtes pas pour la continuité. Mais en fait, je pense qu'en Guinée, le malheur de toute population, c'est que les élites c'est les djendis, ce n'est pas des personnes à conviction, c'est les djendis. Il y a Touré, là, il va se dire, c'est gros comme celui, voilà Baoui qui est là, qui dit même qui est celui, voilà Ousmane Kaba qui est là, qui te dit les grosses économies. Mais vous êtes quand même des opposants. Maintenant, on veut pas la continuité. Qu'est-ce qu'on veut faire? On s'allie derrière un. Alors? C'est comme ça. Un qui a eu le courage, mon frère, excusez-moi, un qui a eu le courage d'affronter un délinquant politique. Oui, il faut reconnaître cela, ce monsieur Dalen a eu le courage d'affronter Alpha. Au lieu de le soutenir. Notre problème en Guinée, c'est qu'il y a Touré, c'est pas Ouri, c'est Ousmane Kaba. C'est tous ces grands leaders qui ont peur des Alpha Condé, qui tremblent dès qu'ils apprennent Alpha Condé sortir à la télé. Voilà Baouri, voilà, comment on soit un Baouri, un Sidi Touré, un Ousmane Kaba. Vous ne dites pas à la télé que vous ne voulez pas la continuité, c'est une dictature. Mais vous avez un candidat qui s'est engagé pour aller affronter cette dictature, aller aux élections, gagner les élections. Oui. Et pourquoi vous ne voulez pas venir visuel dans ce candidat-là? Avec le peuple qui est déterminé, qui a peur, parce qu'on a crié militarisé, on a crié armé, on dirait que c'est un pays à guerre. Oui. Mais je pense que, oui. Même aujourd'hui, mon sage Malengue, sage qu'il doit comprendre et Alpha Condé amène la Guinée au bord de la guerre, parce que nous ne sommes plus prêts, nous ne sommes pas prêts à ce qu'il va donner le gouvernement de l'UTSU. Quelles que soient les conditions qu'on va utiliser, pour alléger Alpha Condé. Voilà, on va transformer la Guinée à Rwanda. D'accord. Maintenant, si vous venez bien Alpha Condé plus que la Guinée, observez, nous allons voir. Ah, alors on demande aux prisonniers, au grand combattant qui est Ousmane Mouzawal, qui n'a rien à voir avec les Mahdi. Ça y est, les Mahdi, c'est des jeunes, c'est des enfants, donc on les comprend. Mais ceux-là, c'est des hommes politiques avertis. Oui. Même le président Dalen n'a pas manqué de rappeler que leur émission Guinée New Soir. Il les a dit que c'est des hommes politiques avertis, afin qu'on devait faire du chantage politique. Mm-hmm. On les demande de tenir, même si c'est 50 ans, ils n'ont pas tenu. Oui. Ils n'ont pas tenu, même si c'est 50 ans, ils n'ont pas tenu. Je pense que l'histoire va l'aider. Parce que plus ils sont là-bas, plus ça motive notre organisation, oui. Plus ça motive notre courage, oui. Plus ça motive à continuer leur combat. Mais oui. Le jour qu'ils lâchent, ils n'ont pas seulement de la nature à couler, c'est fini, la durée c'est fini. Mm-hmm. Mais oui. Tant qu'ils sont là-bas, nous allons courir. Nous, oui. Nous allons. Même s'il faut transformer la Guinée en fin de bataille, nous nous sommes prêts. Parce que cette dictature, nous le Sénégal, c'est Trump. Ça va venir de là où lui-même va s'imaginer et ça va venir parce que ça viendra.
Ok, je vais vous laisser parce que moi aussi je vais un peu commenter 5 minutes et puis on va arrêter. Je tenais juste à rappeler que les prisonniers qui sont des prisonniers à guerrier politiciens, vraiment mis dans l'air, ils n'ont pas fini leur position. Alors qu'on ne peut pas les transformer à rythme, manger, ils savent, ils connaissent. Oui. Ils savent que plus ça dure, plus il a chaud. Oui. Parce que pour qu'un système tombe, il faut que le système crée des prisonniers. Et je sais qu'il est en train de se faire réussir après. Oui. Je pense qu'ils vont voir qu'il y a des hommes qui sont en Guinée qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont en train de manipuler pour donner des liens. Mm. Mais quand on continue seulement à garder ces prisonniers-là, il va continuer à entretenir ce même système de haine. Ce même système de haine. Les gens se sont réveillés aujourd'hui, on est en 2021. Mm. On ne peut pas laisser nos parents mourir dans des prisons alors que nous, on est jeunes, on est des grands valides. Oui, à ce moment, c'est vrai. On vit pourquoi? On vit pourquoi? Tout en laissant un certain série va mourir en prison parce qu'un système a décidé de le mettre en prison en tant que jeune. Oui. Ça existe pourquoi alors? Mm-hmm. Dans tous les pays où il y a eu ces querelles ethniques, on a vu comment ça finit. Ça finit toujours par la guerre. Oui, ça commence comme donc, ça. C'est ce qui va arriver. Ça commence comme ça. C'est ce qui va arriver. Les gens vont le regretter. C'est les élections-là qui vont tout pousser parce que Kounel est un guégué. Ah oui, Amine Mané. Mon frère, je vais vous laisser. Je ne sais pas, prochaine fois, vous essayez de rappeler, Inch'Allah, parce que je vais un peu rajouter deux, trois petits mots. Merci beaucoup et puis à bientôt, Inch'Allah. Je suis déchargée. Voilà, ce que le monsieur vient de dire, vous avez compris. Maintenant, ce que je vais dire, parce que je sais que les Guinéens ont une peur bleue de la guerre ethnique, ont une peur bleue du génocide, ils ont peur de toutes ces choses-là. Ce que moi, je ne comprends pas, pour un pays qui a peur de guerre et de génocide, on n'est pas sur ce chemin. Hein? On n'est pas sur ce chemin. Parce que quand on est toujours en train de frustrer des ethnies à gauche et à droite, ça, ce n'est pas des gens qui ont peur de la guerre. Je ne crois pas. Quand on est là en train de cautionner le mensonge, ça, ce n'est pas quelqu'un qui a peur de la guerre. Parce que tous les autres pays, que ce soit des trucs ethniques, quels que soient les problèmes qu'il y a eu dans le monde, Yomaya Girina là. Abirufolama Yomaya Girina là. Abirufolama Yomaya Girina là. Alun Yomaya Giri, Hanlohon Dinara. On a rejeté. Les gens qui ont peur de la guerre, moi je vous comprends, la guerre n'est pas bien. Mais je veux aussi signaler que tous les pays, tous les grands pays du monde, ont connu la guerre. Tous les grands pays du monde. La France a connu la guerre, l'Allemagne, le Japon, partout. L'Angleterre, tous les pays, la Belgique, tous les pays du monde. Et c'est à cause d'un problème comme ça. De deux,
Les gens disent que s'il y a la guerre en Guinée, ils n'ont pas où aller. Mais pourquoi il va y avoir de la guerre? Pourquoi vous n'êtes pas juste et équitable? Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Regarde ces dernières élections. Quelle est l'ethnie qui va accepter ça? Vous qui me regardez, ce qu'ils ont fait à Dalé, vous allez accepter? Moi, Marie Sissoko, en tant que femme, je ne vais pas accepter. Et wallah, là, je ne vais pas accepter. Je ne vois pas pourquoi je vais accepter. Je ne vois pas la raison. Je ne vois aucune raison. Vous préférez frustrer quelqu'un qui a gagné pour lui faire du chantage. Vous préférez avoir un narcotrafiquant et une narco comme Guéné Kaba, des gens qui ont bricolé un mariage dans un pays musulman. Tandis que Dalé et sa femme ont plus de 30 ans de mariage. Plus de 30 ans de mariage. Vous traitez d'Alain de voleur. Kassori n'a jamais volé. Il n'a jamais volé, mais il est avec Alpha. Parce qu'il est sous sous, peut-être. C'est ça? D'accord. Tous les autres là qui sont autour, ils n'ont jamais volé. Ce n'était pas eux qui étaient avec Conti. Ils ont volé et trahi Conti. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'ils font double jeu. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte qu'ils jouaient double jeu à l'époque. Ils étaient les espions de Alpha. Non, mais eux, ça va, parce que c'est des sous. Parce que c'est des malinqués. Dans les lui, c'est un peu. Quand on prend par la logique, c'est leur tour. Quand on prend par la logique, on a quatre régions naturelles. Si on était des gens justes, équitables, des bons musulmans, qui veulent aller dans le sens de la justice, qui veulent se réconcilier avec la vérité, c'était une occasion pour se réconcilier. Mais le rôle que les gens sont en train de faire à Dalé, pour l'étouffer, comme le monsieur dit, Sidia et Ousmane Kaba, toutes ces personnes-là doivent soutenir Dalé dans cette phase. Dans cette phase. Après cette phase, mais ils peuvent se retourner contre lui. C'est ça la politique. Mais ils préfèrent se dire, eux tous, que, ah, on va se débrouiller pour se débarrasser des deux en même temps. Tandis que ça, c'est de l'utopie et d'un rêve. La technique la plus simple, la plus facile aujourd'hui pour se débarrasser de Alpha Condé, c'est de soutenir Dalé. Maintenant, ce que ce monsieur vient de dire, on a 4-5 groupes autour de Alpha. Chacun a son groupe. Chacun a sa milice. 4 ou 5 ou plus. Tout ce qu'ils attendent, ils attendent la mort de Alpha. Pendant tous ces groupes-là qui sont autour de Alpha, qu'Alpha va mourir, ils vont se battre pour avoir le pouvoir. Ça, et donner le pouvoir à Dalé, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Vous savez, quand un être humain est raté, quand tu es raté, la vérité devient un sens interdit pour toi. Tu fuis la vérité. Tu la vois, mais tu la fuis. Vous savez combien de personnes moi m'appellent pour me dire que ce que tu dis, c'est vrai, que mais les gens refusent d'accepter la vérité que tu dis. Vous savez pourquoi? Ceux qui sont en train de faire Adèle, qui veulent me faire ça, la même chose sur les réseaux sociaux. Quand je vais me fatiguer, je vais me taire. Donc les gens, souvent, ils écrivent, Marie Sissoko, elle est infatigable. Je vais me fatiguer pourquoi? Je ne veux pas d'Alpha Condé. Ce que je dis là, ça me dérange apparemment. Parce que s'ils veulent arrêter les gens, ils sont en train d'arrêter, ils ont arrêté les gens, et ils se disent qu'ils vont les pourchasser à gauche, à droite. C'est que ça le dérange. Maintenant, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, que, ah, moi, ils ne vont pas se joindre à moi parce que quand je vais me fatiguer, je vais me taire. Ah, vous n'avez pas tiré à terre. C'est que votre arme là, il n'y a pas de munitions dedans. Non. Quand vous voulez combattre quelqu'un, il faut d'abord se renseigner sur la personne. Qui est Marie Sissoko? Mais des bons éléments pour vous renseigner. Parce qu'il y a trop de menteurs. Ce n'est pas les marabouts qui vont vous renseigner. Des gens qui me connaissent,
et qui sont honnêtes, qui sont véridiques, ils vont vous dire que celle-là, elle ne va pas se fatiguer. Ça, c'est ma personnalité et ma nature. Peut-être que les autres Guinéens ont un handicap que moi, je n'ai pas. Ou peut-être que moi, j'ai un handicap que vous, vous n'avez pas. Mais ce point-là, je n'ai pas ça en commun avec le Guinéen. Malheureusement. Malheureusement pour moi. Parce que c'est moi qui souffre, selon vous. Moi, je suis en France. Si ce n'est pas Corona, je passe 2 mois aux États-Unis, je passe 2 mois en France. Si ce n'est pas Corona, c'est ça ma vie. Je ne suis pas riche, je n'ai jamais dit que j'étais riche. Mais j'ai la possibilité d'aller partout dans le monde entier. Partout. J'ai cette possibilité-là, par la grâce d'Allah. Ce qui manquait à ma vie, c'était de connaître Allah, le Créateur, de savoir qu'il m'aime et que je dois l'aimer en retour. C'est ce qu'un être humain cherche. J'ai ça. Maintenant, Alpha, lui, n'est pas avec Dieu. Ça, c'est clair. Et je dis dans toutes mes vidéos, la Guinée, c'est le territoire du shaitan. Mais quand Dieu va me punir, parce qu'il est fâché, ça, c'est une certitude. Mais on veut une punition. On aura notre punition, Inch'Allah. Oui? Quand tu ne veux pas la vérité, tu finiras par l'accepter d'une autre manière. Ceux qui se disent que s'il y a la guerre en Guinée, ils n'ont pas où aller. Qui veut la guerre si ce n'est pas Alpha? Qui veut la guerre si ce n'est pas Alpha? C'est lui. Parce qu'il se croit fort. Parce que soi-disant, il a l'armée. Mais il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné ses élections. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Même pour s'asseoir sur les réseaux sociaux, le dire, c'est un problème. S'asseoir ici, le dire, c'est un crime. Parce que ce n'est pas votre ethnie. Mais vous n'êtes pas de bons musulmans, alors. Si tu laisses la vérité pour t'accrocher au mensonge, soi-disant que la vérité ne t'arrange pas, la vérité arrange toujours. Si vous pensez que la Guinée va continuer à être comme elle a été, vous vous trompez. Et wallahi billahi, vous vous trompez. Vous vous trompez. Il y aura beaucoup de surprises, Inch'Allah. Il y aura énormément de surprises. Comme il va prendre, il a pris la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. Mais on est en 2021 là. Et il peut y avoir des surprises dans la vie. Tu peux attendre que quelque chose vienne du Sénégal et ça vienne d'ailleurs. Tu peux attendre un coup d'État et ce n'est pas un coup d'État. Tu peux attendre que le génocide c'est entre Peul et Malinké. Peut-être que ce n'est pas ça. Tout ce que tu attends, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Mais faisons attention. Aimons la vérité. Mettons-nous à la place de l'autre. Quand moi je regarde Ali Matoudalé, je me dis, donc, Guéné Kaba est à la place de cette dame-là. Et si Ali Matou était votre sœur, vous qui me regardez là, si elle était votre sœur, ou votre tante, qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait? La Guinée allait déménager. Elle n'allait pas brûler. Elle allait déménager. Parce que si la Guinée brûle, la France a brûlé. Elle est revenue normale. Mais si un pays déménage, ça c'est un autre problème. Donc, les gens qui pensent que le mensonge, c'est-à-dire qu'ils sont en train de nourrir le mensonge, je ne vais pas accepter ça. Et vous n'avez aucun moyen de pression. Il n'y en a pas. Wallahi billahi, il n'y en a pas. Aucun. Aucun. Moi, pour m'empêcher de dire ce que j'ai dit. Aucun. Et quand vous êtes en train de montrer que ça fait effet, ces jours-ci, je ne fais pas de vidéo parce que mon mari est là. Je m'occupe de lui. C'est lui ma priorité. Voilà. C'est pourquoi je ne fais pas de vidéo. Ce n'est pas autre chose. Donc, ne vous posez pas de questions. Ceux qui m'écrivent, je reçois vos écrits. Ceux qui appellent, je rappelle quand je peux. Je suis avec vous. Si Sélo Dalein Diallo a gagné ses élections, il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas laisser ces délinquants politiques-là. Il ne faut pas laisser ces bandits, ces fripouilles-là
qui ne peuvent rien nous rapporter. Ces gens-là ne peuvent rien nous rapporter, rien du tout. Ils sont de mauvaise foi, ils n'ont aucune bonne foi. Aucune bonne foi. Ils vont quitter sur les Soussous, ils vont aller sur les Guernsey, ils vont quitter sur les Guernsey, ils vont aller sur les Thomas, ils vont quitter là-bas, ils vont aller par là. À gauche, à droite, pour mélanger les gens, pour humilier les gens, pour rabaisser les gens, pour faire comme si ces gens-là, c'était des moins que rien. Tandis que ceux-là sont mieux qu'eux. Qu'est-ce que Kwante n'a pas fait pour se réconcilier avec la haute Guinée? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Une zone qui se dit que si ce n'est pas un tel, on ne veut pas de ton boudon. Hein? Et, je vous dis merci. À bientôt, Inch'Allah. Ceux qui sont là à écrire des sottises, c'est normal. Quand tu soutiens un délinquant, vous soutenez des drogués, excusez-moi du terme des homosexuels, tous les garçons qui les défendent, je vous ai dit, regardez-les comment ils parlent. Les hommes qui soutiennent le RPG, regardez leur façon de parler. Regardez, c'est-à-dire tu ne vois pas le côté homme en eux. Tu ne verras pas le côté homme. Ils sont petits d'esprit. Ils sont petits d'esprit. Les analystes sont bidons et nuls. Et quand on dit qu'on paye ces gens-là à ne rien faire, des bons à rien, à ne rien faire, en leur donnant l'argent du contribuable, c'est-à-dire c'est la délinquance qui s'est propagée. Quoi. Donc, les gens qui font les vidéos contre Alpha, quel que soit leur bord politique, c'est des gens à saluer, c'est des gens à soutenir. L'UFDG, je reviens dessus, prenez des dispositions pour ces gens-là, pour les protéger et tout ce qu'il faut. Celui qui écrit, c'est que Macky Sall, je ne sais pas quoi, moi, Macky Sall, tous ces présidents-là, je m'en fous. Ils ne sont pas sur ma route. Je ne cherche pas les papiers. Je n'ai pas eu les papiers en mentant. J'ai eu les papiers en disant la vérité. Je n'ai pas deux âges, j'ai un seul âge. Depuis que je suis né, j'ai un seul âge, j'ai un seul nom de famille, j'ai tout ce que j'essaie, il n'y a pas de faux dedans. C'est vous qui mentez pour venir chez les gens. C'est vous qui mentez pour venir chez les Blancs. Mais c'est vous qui dites que les Blancs ne vous aiment pas. C'est vous qui dites tout. Une chose est son contraire. Bientôt, vous allez être amis avec Macky Sall. Parce qu'il va rentrer dans l'affaire du troisième mandat, vous allez devenir des amis. C'est comme ça. On vous connaît. Quand ça vous arrange, ça que vous êtes en train de faire aujourd'hui à la communauté, souvent on vous connaît. Mais c'est eux qui n'ont pas compris. Mais ils vont finir par comprendre. Quand on parle, eux, ils pensent que c'est une affaire du peuple ou de quoi. Vous êtes en train de vous présenter. Mais moi, je vais tout simplement leur dire que ce n'est pas trop tard. Hein. Ça n'est rien de trop tard. Si vous voulez mettre dans leur tête que c'est trop tard, il faut attendre que les 6 ans la finissent pour qu'ils prennent leur disposition. Ce n'est pas trop tard. Hein. Quiconque va dans le sens de la vérité, tu n'auras aucun regret. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Ala haoun birinkanta haoun natanga haoun soukra. Abinyan yi nous soutenir sa mislim yi bin mara sa wuma. Wule geri. Mislim yi mas sa mou wule gera. Kal inga. Ka wule wule. Wule stentane ka kriter nara. Fos promes stentane ka kriter nara. Alfa nama li me wule. E wule. E ka febri wule. E mounon diyo falama. E tamouna non dibe. Tan na wule nambe. E kenya nan naki. E na wule da rine. Il n'a pas de fort, il n'a pas de fort. On a non dit pas, il n'a pas de fort. Net! Non dit, il n'a pas de fort. On a fait un fort. Il n'a pas de 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 Donc, ben ma soeur veut nous barrer la Guinée. A Baba ya veut nous barrer la Guinée. Alpha, son père n'est pas né en Guinée. S'il y a un étranger dans la vie politique guinéenne, c'est Alpha Condé. C'est pas quelqu'un d'autre. Mais quand on est raté, on ne sait même pas ce qui est bien pour nous.